Salut les petits culs, c'est Gaucho, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'achat-revente où je vais vous expliquer une petite technique pour se faire de l'argent, beaucoup d'argent en 1 heure et demie. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Tout d'abord, pourquoi je vous ai pas fait de vidéo cette semaine? Tout simplement parce que je suis un gros connard en fait. Je vends des joueurs et vous voyez ici en bas à gauche, il y a une touche L2 retirer, élément vendu. Ça m'est arrivé à deux reprises que j'ai des joueurs à vous proposer, je pose la manette sur mes genoux et bim, la touche L2 elle s'enfonce et bim, je suis niqué. Donc voilà pourquoi il n'y a pas une vidéo. Je vais vous expliquer tout de suite une technique qui fonctionne très bien. Donc en fait, ça dure 1 heure et demie. Tout simplement, vous regardez le samedi après-midi ou aujourd'hui on est dimanche. Le dimanche après-midi, vous mettez sur un multiplex, vous prenez un site style Score Live comme moi je fais et vous regardez les matchs en direct. Donc par exemple hier il y a Mahrez de Leicester qui a marqué 2 buts pour Leicester, donc un doublé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens partout dans le monde, on va dire, bah, tous ceux qui ont accès à la ligue des transferts se sont rués sur Mahrez, en sachant que Mahrez coûtait 4000 crédits. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la même chose. J'en ai acheté beaucoup à 4000 crédits. Regardez à combien je les ai revendus, les Mahrez. Donc, en sachant qu'ils coûtaient 4002, 4003, 9004, 8004, 8006, 8005, 8003, 8100, 8002, 8000. Et ici, j'en ai un à 5005 parce qu'en fait, c'était le premier que j'avais revendu à 5005 qui est parti direct. Donc, bien sûr, j'ai remis plus cher. Donc, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, le joueur là, Muto. Personne ne le connaît, Muto. Muto joue à Mayence en Bundesliga. Hier, le bonhomme, il a mis un triplé. Donc, en fait, il a mis le premier but. Quand il a mis un but, son prix, il a un petit peu monté, mais il reste encore 2-3 pages, on va dire entre 500 et 900. Moi, j'osais pas trop les acheter. Je me suis dit, je connais pas le joueur. Bim, le bonhomme, il a remis un doublé derrière. J'ai eu le temps d'en acheter 1, 2, 3. J'ai eu le temps d'en acheter 3. C'est parti comme des petits pains. Et regardez à combien je les ai vendus. J'en avais relisté un, le premier à 6000. J'ai vu qu'il est parti à la seconde. J'ai pris 8100. Il est parti. Et l'autre, il est parti. Je me rappelle plus le prix. 8000. Donc voilà, encore un style de joueur. Donc faites bien attention quand il y a des joueurs qui mettent des doublés, allez tout de suite vous ruer dessus. J'ai encore le coup ici sur. Il est où? Il est où? Igalo. Voilà. Juste là. Il joue à Watford ce joueur. Ce joueur, pareil, il a mis un doublé. C'est un joueur qui coûte rien. Je les ai achetés à moins de 500 crédits. Revendu à 5009, 6005, 6005. Donc les gars, c'est une technique qui marche super bien. Pareil pour les Benteke. Hier, il y avait Liverpool, Chelsea. Benteke a mis un but à la fin. Les Benteke coûtaient 6000. Je les ai achetés à 6000. J'en ai acheté 1, 2, 3. J'ai dû en acheter d'autres et j'ai pas dû les conserver alors. 3 Benteke seulement. Bon, il y en a 3 Benteke, les gars. Pareil, ça a campé. Donc ce soir, il y a tout. C'est pas ce soir, cet après-midi, il y a le multiplex Serie A. Il y a quelques matchs d'Angleterre. Regardez bien les matchs en direct. Dès qu'il y a un joueur qui m'a doublé, n'hésitez pas d'acheter en masse les moins chers et relister. Ça va camper, surtout si c'est des cartes argent. Pour les autres joueurs, il y a quoi? Il y a Edu qui fonctionne toujours aussi bien. Vous les achetez en dessous de 1000 crédits. Voilà, 1006, 1007, ça se vend. Ici, Pichek. Donc moi, Pichek, j'en avais acheté pas mal. On les a achetés à 9000 à peu près. Bon, ici, malheureusement, c'en est un que j'ai vendu à 10250. J'ai eu du mal à le vendre. 10005, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pitcheck encore, 11005 et 11005. Donc les pitcheck, ça marche assez bien. Bon, le BNF, il est que de 1000 crédits, les gars. Bon, je sais que c'est pas folichon, tout ça. Donc ça marche super bien. Dans les joueurs que j'avais effacés, je devais vous conseiller Enyama Boost et il y a Shane Long Boost qui tombe assez bien, bah pas en Tech 5-9 parce que vous savez en Tech 5-9 on se fait bannir. Donc en triangle, il y a moyen qu'on chope des Shane Long et des Enyama, ça marche super bien. Donc voilà les gars, moi c'est tout pour cette vidéo d'achat revente. Cet après-midi je vais essayer de refaire la même chose que j'ai fait hier. Vous prenez 1 heure et demie de votre temps, je sais que c'est quand même beaucoup 1 heure et demie, mais vous regardez dès qu'il y a un joueur qui fait un doublé, n'hésitez pas à investir. Cette vidéo, ça sera mon premier giveaway. Vu qu'on est la 1er novembre, fête des morts, on va faire hashtag dédicace Michael Jackson. Ok les gars, donc moi c'est tout, n'hésitez pas à vous abonner, laissez des likes et moi je vous dis bon week-end. Ciao!